Abonnez-vous, mes amis. Ça, c'est la nouvelle version déjà. Abonnez-vous. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez n'oublier surtout pas la cloche qui est tout en bas là. Pour avoir tout le temps mes vidéos. Chaque fois que je vais poster une vidéo, vous verrez ma vidéo. Donc, ça va être pendant un temps. Je vais voir ce que ça va donner. L'introduction, voilà, c'est pour Dieu si nous vend ceci. Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Et bienvenue dans mon monde. Ne faites pas attention à mes savons là, hein, parce qu'il faut quand même quelque chose là. Donc je dis, c'est vraiment pour les hommes, rien que pour vous, mes amis. Vous savez que je vous supporte beaucoup malgré tout. Malgré que vous êtes vraiment les cas. Les cas, comme j'ai dit là. Donc c'est pour, si vous avez plusieurs femmes, je dis bien, c'est pour les hommes mariés, hein, les hommes mariés et qui ont deux, trois femmes. Comment faire pour que les deux soient bien? Mais même comme on dit que quand deux femmes s'entendent, c'est très dangereux pour un homme. Et ça, c'est vrai. Parce que je prends l'exemple de mon frère, père à son âme, il est décédé maintenant. Il avait, non seulement il avait sa femme, mais il avait aussi une autre fille. Et les deux, la dernière fois que je suis allée dans mon pays, j'avais constaté que les deux s'entendaient déjà très bien. J'ai dit à mon frère que non, c'est pas bon, fais attention. Mon frère m'avait regardé avec les yeux bizarres. Bizarre, c'était la dernière fois que je voyais mon frère. Et mon Dieu, paix à son âme encore une fois. Et dans ma famille, je suis née dans une très très grande famille. Donc mon grand-père maternel avait deux femmes. Mon oncle avait trois femmes. C'était toujours les choses qu'il n'y avait pas d'entente dans cette famille-là. Mais parfois, les hommes font ça exprès, hein, pour qu'il n'y ait pas d'entente, hein, pas entre les femmes. Ça, c'est clair et net. Parce que j'ai même quelqu'un, si je ne me trompe même pas, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui a deux femmes, il aimerait que les deux s'entendent. Mais c'est souvent très, très difficile. Mais maintenant, je vais vous aider. Je vais un peu vous aider. Si ça marche, tant mieux pour vous. Donc, c'est juste une petite astuce. Il faut essayer qu'il ne risque rien, n'a rien. Donc, vous allez choisir un jour, vraiment, prenez un jour favorable pour vous. Pour vous. Choisissez vraiment un bon jour. Donc, le jour-là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez prendre la première femme. Vous allez faire le crac-crac avec la première femme. Vous allez faire vos vœux. Et vous allez aller ensuite. Ne vous lavez pas, ne vous essuyez pas. Allez directement voir. Mais ça, c'est clair qu'il faudra avoir quelque chose qui va vraiment booster ça. Hein? Ça, c'est clair. Allez voir la deuxième femme. Faites la même chose, le crac-crac, sans vous laver. Si vous avez trois femmes, faites la même chose. Donc, le même jour, ne ratez pas. Ne dites pas que je vais attendre le nom. Allez-y maintenant, allez après là. Donc, ne vous lavez pas, ça c'est une astuce. Il faudra vraiment essayer. Oh, j'ai dit toujours qu'il ne risque rien à rien. Il n'y a pas la magie là. C'est vous-même, c'est votre corps. Bien sûr, il y a les collards, si vous voulez être vraiment en forme. Il y a le collage, j'ai les trucs, hein, j'ai les trucs de comment on appelle ça au Bénin, trois hommes, j'ai trois hommes ici là, j'ai une poudre que c'est moi-même qui ai faite, donc il y a aussi les trucs, on lave le troisième pied avec, ah oui, il y a un truc où il faut seulement laver votre troisième pied pour être vraiment en forme. Voilà mon astuce. Donc, mesdames, ne me tapez pas. Ne me tapez pas. C'est aussi bien pour vous, hein, vous qui aimez. Parce qu'il y a les femmes, je pense qu'il y a les femmes qui aiment bien être deuxième femme. Pour après avoir les problèmes toute leur vie. Ça, c'est clair. Il y a les femmes qui vont passer un homme pour être une deuxième femme. Ah oui, ça existe. Ça, c'est la vérité. Voilà un peu mon astuce. Une fois encore de plus, c'est récapitulatif, messieurs. Donc, si vous êtes dans une famille polygame, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous finissez avec le crac-crac avec la première, faites la même chose sans vous laver avec la deuxième. Faites la même chose sans vous laver avec la troisième. En faisant vos vœux de unir vos trois femmes ou vos quatre femmes ou vos dix femmes. Mais il faut avoir la force. Ça, mes savons, ça, ce sont mes savons pour l'argent, quoi. Donc, si vous voulez, c'est disponible. Il n'y a que ça. Hein. J'ai fait que 6 savons. C'était pour essayer. Donc, je n'ai fait que 6 savons là. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Faites-moi signe. Je vais vous envoyer ça par la poste. Voilà ma vidéo. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à poser. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez liker. Donc, vous pouvez même réagir entre vous et liker entre vous aussi là. Et moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.